Pessoal, estou com o professor Dominique Scarfone, direto de Montreal. É uma alegria conversar com o professor, autor de diversos livros e textos sobre Laplanche. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre esse livro aqui, eu vou mostrar mais de pertinho, The Reality of the Message, onde ele conversa sobre a psicanálise Laplanche. Então, avant tout, je vous remercie énormément pour me recevoir. Excuse pour le français, que c'est pessimum, Non, c'est très, très terrible, bon français. c'est terrible, mais on essaierait de Ok. parler. Alors, merci beaucoup pour nous recevoir. Et je veux vous présenter pour les gens. C'est un professeur de l'Université de Montréal, Oui. alors un auteur très important pour nous. J'utilise votre livre Introduction de Jean Laplanche, édité par Pouf, la presse universitaire française. Et alors, c'est un livre des références pour moi et pour mes élèves. Mais je sais que nous avons des points en commun. Les dialogues avec Winnicott, par exemple, que vous faisiez et que j'aime beaucoup aussi. Et ce livre que, malheureusement, je ne peux pas trouver au Brésil, mais je sais que ça m'intéresserait beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais la première, c'est ça. Quelle est votre relation avec la planche et comment votre histoire avec la À planche? commencer. Oui. Quand j'ai commencé ma formation psychanalytique, il y avait un groupe de lecture, un groupe d'études dans la société qui était formé d'analystes et de candidats et qui lisait Laplanche. Or, quelques mois auparavant, naïvement, j'étais entré dans une librairie et j'avais vu un livre de Laplanche qui était le premier volume des problématiques, l'angoisse. L'angoisse. Et j'ai été surpris parce que moi, je connaissais Laplanche, mais je pensais que Laplanche avait assez travaillé quand il avait fait le vocabulaire de la psychanalyse. Oui. Mais ah bon, il a même trouvé de l'énergie pour faire un autre livre. Je connaissais absolument pas Laplanche, Oui, sauf le le vocabulaire. vocabulaire. Et alors, je commence à feuilleter ce livre et je suis, c'est le cas de le dire, séduit. Pourquoi un livre, un, qui lit Freud, et je le feuillais dans la librairie, je me suis assis dans la librairie, j'ai commencé à lire et je ne pouvais pas arrêter parce que je le voyais lire Freud, discuter Freud, être critique, mais sans de tout ou rien des critiques habituelles. Et c'était clair. Oui. Alors, la clarté et la rigueur de Laplanche m'ont absolument séduit. Donc, quand j'ai su qu'il y avait un groupe d'études qui lisait Laplanche dans le texte, j'ai tout fait pour être admis. Au début, il n'y avait pas de place et il a fallu que je patiente, mais finalement, il y a eu une place et j'ai été admis. Et là, ça a été vraiment la fascination totale. Fascination n'est pas le bon mot parce que ce n'est pas très laplanchien. Laplanche nous renvoie toujours à être critique, et donc non pas à être dans le fascinum. Mais l'intérêt pour Laplanche n'a fait que grandir. Et un jour, le groupe, on a eu l'idée, parce qu'il y avait en 1987, le congrès de l'IPA allait se tenir à Montréal. Ah, parfait. Et alors on s'est dit, si on en profitait pour inviter Laplanche à venir, pour voir si par hasard il vient au congrès, Ça pour va. l'inviter à venir nous rencontrer. Alors Laplanche nous répond, je ne pensais pas venir au congrès, mais avec ce que vous m'avez dit de votre groupe, je viens volontiers. Et en fait, il a présenté une petite chose au congrès, mais on n'a pas beaucoup fréquenté le congrès parce qu'on a passé plusieurs jours avec Laplanche, parce qu'on avait des centaines de questions à lui poser. On avait lu ligne par ligne les problématiques qu'on était rendu à la. On avait lu les quatre premiers volumes des problématiques, ligne par ligne, et on avait à chaque fois accumulé des questions. On s'était donné, nous, des réponses, mais c'était les nôtres, c'était pas celles de Laplanche. Et alors, Laplanche a passé 3 jours avec nous, à répondre à toutes nos questions et à élaborer avec nous. Il nous avait apporté le cinquième volume des La problématique. problématiques, ainsi de suite. Et c'est là que ça a commencé. Donc, mon contact personnel a commencé, était celui avec le groupe. Et puis, plus tard, on a gardé contact avec Laplanche. Laplanche nous avait même demandé si on était prêt à faire l'index des problématiques Ah, qui parfait. allait être publié un peu plus tard avec les nouveaux fondements. Mais malheureusement, on s'est mal compris, il y a eu malentendu sur les dates et tout ça, et puis Laplanche s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le donner à temps, et donc il l'a fait faire en France par quelqu'un d'autre.
Mais quelques années plus tard, en 92, ben, en 91, disons, mm-hmm. on a été contacté par Martin Stanton mm-hmm. de Canterbury, de l'Université de Kent mm-hmm. à Canterbury, qui nous a dit « ça serait bon qu'il y ait un colloque international sur la planche, mm-hmm. puis on pense que Montréal serait le meilleur endroit ». Parce que comme ça, les gens d'Amérique latine mm-hmm. peuvent venir, les Européens peuvent venir, les Américains oui. peuvent venir. Parfait. Et bon, le groupe était divisé parce que tout le monde n'avait pas envie de s'embarquer mm-hmm. dans l'organisation d'un congrès. Mais moi, j'ai dit oui, oui, il faut le faire. Et on a été quelques-uns d'accord pour vraiment s'impliquer mm-hmm. activement et alors organiser ce colloque. Et oui. C'était quand, ça? C'était en juillet 92. 92, oui. Et c'était les premières journées internationales de la planche. Il y a un livre orange. Il y a un livre, oui. Voilà, là-dessus, c'est ça. Oui. Et ça a été un grand succès. On avait organisé ça en deux parties. Une première journée pour ouverte au public. Parfait. Et il y avait peut-être 300, 400 personnes voilà. qui ont assisté. Puis les deux autres journées oui. pour un travail, un plus petit groupe de gens qui connaissent la planche, pour oui. du vrai travail d'élaboration où on présentait des textes et tout ça. Mm-hmm. Et c'est là qu'on s'est mieux connus aussi avec la planche. On a pu à nouveau renouer. Pour moi, personnellement, il faut croire que la planche a été frappée de quelque chose parce que mm-hmm. quand la collection psychanalyste d'aujourd'hui oui, de la a démarré mm-hmm. et qu'on a dit à la planche, on veut faire un volume sur vous, mm-hmm. est-ce qu'il y a un auteur que vous aimeriez inviter? Il m'a écrit, il m'a dit, j'aimerais que ça soit vous. Parfait. Alors, moi, j'ai eu très peur. Un bon choix, un très bon choix. Mais ça a été terrifiant au début. Oui. Mais je ne pouvais pas dire non, évidemment. Oui, tu peux le faire. Et alors, je l'ai fait. Et avant de le donner au PUF, mm-hmm. je l'ai fait lire par la planche. Oui. La planche y a corrigé une seule phrase. Oh à la là. Fin, il m'a fait une suggestion qui n'est pas une suggestion théorique. C'était oui. sur comment finir, parce que moi, je disais... Vous voyez bien que la planche est un voyageur interstellaire. Uh-huh. Et il a dit, ah, j'aimerais que vous ajoutiez, sortira-t-il du système solaire? J'ai trouvé ça tellement beau. Oui, bien c'est sûr, drôle. Bien uh-huh. sûr qu'on va le mettre. Mais c'est la seule chose qui est de la planche là-dedans. La planche ne s'est pas mêlée okay. du tout. Il était apparemment très content de ce qu'il a lu. Parfait. Alors, je suis d'autant plus tranquille quand les gens me disent « Ah, c'est très utile oui. ton livre » parce que on n'a pas à se poser la question « Mais est-ce que la planche serait d'accord ?» Parce que je sais que la planche l'a lu. D'accord. Il était d'accord. Alors voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, bon, mm-hmm. on a gardé contact. Il y a eu les autres journées qui ont eu lieu après à Canterbury et à Londres, justement. Après ça, en Espagne. À Miraflores de la Sierra, près de Madrid. Si. Il y a eu au Brésil, où j'ai pas pu venir, malheureusement, parce que j'étais malade. Mm-hmm. Et ça a continué. Ça continue toujours. Moi, je n'assiste plus aux journées, mais ça continue toujours. Ça continue, parce oui. que je sais. Mm-hmm. Et donc, voilà. À un moment donné, avec la planche, c'est drôle parce que je faisais du ménage dans mes papiers. J'ai retrouvé les fax qu'on s'échangeait parce qu'il m'avait proposé, la planche, d'être le directeur, le rédacteur en chef uh-huh. d'une revue qu'on voulait fonder, ah, qui devait s'appeler le Débat psychanalytique international. Parfait. Et on a beaucoup travaillé, on avait même tout réuni, le premier numéro était uh-huh. complet. Il y avait le problème de l'éditeur. Ah, parfait. Et la planche, à ce moment-là, il n'était pas très content des PUFs. Mm-hmm. Il disait, il ne faut pas aller aux PUFs, ils ont de la difficulté. Oui. Et effectivement, on sait que ça continue, les problèmes des PUFs. Mm-hmm. On avait trouvé un éditeur américain, mm-hmm. mais il y a eu un problème parce que, je vais dire ça comme ça parce que je veux garder oui. l'anonymat des personnes. Okay. Le propriétaire de la maison d'édition okay. voulait être au comité de rédaction. Ah, or, c'était quelqu'un d'orientation lacanienne qui voulait être au comité de rédaction. Mm-hmm. Et moi, j'ai dit non oui. parce que cette personne aurait eu beaucoup trop de pouvoir oui. si elle n'est pas d'accord
avec quelque chose qu'on veut publier, mm-hmm. et puis que ça, disons que ça devient aigu comme problème, oui. mais elle a le pouvoir de dire, ben moi je me retire et on publie plus. Ah, alors j'ai dit, il me semble qu'il y a un problème de conflit d'intérêt, tu ne peux pas être au comité de rédaction. Parfait. Et alors ça n'a pas marché, et puis là je me souviens plus tout à fait ce qui s'est passé, mais finalement, on a perdu intérêt, on s'est dit... Et puis, il y a eu une proposition qui nous a été faite par Jacques André mm-hmm. de prendre le premier numéro, qui devait être le premier numéro de la revue, de faire mm-hmm. un volume dans la petite bibliothèque de psychanalyse, la collection bleue. Parfait. Il y a un volume qui... Ah, je le connais. Celui-là, c'est Sexualité infantile et attachement. Parfait. Voilà, c'était... Il y a un texte de Vidlocher. Vidlocher, et puis la planche... Et Parfait. Tous les autres qui le discutent. Oui, oui. Ça, c'était l'idée de la revue, c'était ça. Uh-huh. Un texte cible, uh-huh. un target article, comme ils disent aux États-Unis. Oui. Et puis d'autres auteurs qui discutent. Et, voilà. C'est comme ça qu'on a été très associés assez de près avec la planche. Oui. Et ça continue encore, même s'il est mort aujourd'hui. Oui, ça continue. Ça sera une question que je vous porterai. Oui. La question sur des jours, en spécial sur l'inconscient enclavé. Mais avant ça, vous demandez de parler un peu sur les livres. C'est une traduction, c'est pas un livre original en français non, ou non? Non, c'est un original. Sauf qu'il y a des... En fait, c'est une collection d'articles déjà publiés. OK. Beaucoup en anglais. Ah, la plupart parfait. En anglais. Uh-huh. Ce qu'il y a d'original dans ce livre, oui. c'est qu'une analyste américaine, uh-huh. à qui j'ai enseigné pendant plusieurs années... La pensée de la planche, oui. et qui était très intéressée par mes écrits à moi, mm-hmm. et je lui avais proposé de faire la préface du livre. Ah, parfait. Elle a eu une idée géniale. Elle m'a dit, mm-hmm. pourquoi, au lieu de faire la préface, mm-hmm. est-ce que je ne pourrais pas poser des questions à la fin mm-hmm. de chaque chapitre parfait. Et que nous discutions ensemble. Ah. Alors, c'est un livre de débat, de discussion. Parfait. Après chacun de mes articles, uh-huh. il y a ses questions à elle, mes réponses. Uh-huh. Et c'est la partie que je trouve personnellement la plus... Non seulement parce que c'est original, mais parce que ça m'a obligé à développer parfait. Les idées qu'il y avait dans l'article, à les rendre plus uh-huh. claires quand c'était nécessaire. Uh-huh. Et des fois, en dire plus, en fait. Parfait. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup. Pas seulement parce que c'est le plus récent, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau oui. qui n'a pas été souvent fait. C'est-à-dire que chaque texte est repris avec des questions. Elle est, mm-hmm. c'est Avgi Sakitopoulou qu'elle s'appelle. Oui. Elle est d'origine grecque chypriote. Ah, parfait. Et elle a une intelligence extraordinaire. Uh-huh. Et elle est capable d'aller faire un zoom in sur les vraies questions qui se oui. posent. Donc, c'est un livre qui, à mon avis, présente cet intérêt particulier d'être très vivant, très, mm-hmm. Toujours en discussion. Très bon. C'est la meilleure forme d'écrire. Je pense. Ensemble, faire des dialogues. Ouais. Alors, les chapitres, A Brief Introduction to the Work of Jean Laplanche. Oui. The Three Essays and the Meaning of the Infantile Sexual in Psychoanalysis. The Sexual and the Psychical Reality, The Feminine, The Analyst and the Child's Theorist, Actuality of Seduction. Vous pouvez parler un peu de... Il y a beaucoup de conversations oui. ici, mais... Oui. Qu'est-ce que je peux dire? C'est des textes que j'ai écrits à différents moments, oui. Où j'ai été invité. Par exemple, le premier, c'était une introduction générale. C'est un peu une sorte de synthèse, si vous voulez, de mon petit livre. Mais c'était juste après la mort de Laplanche. L'International Journal m'a demandé est-ce que vous pourriez faire un article qui oui. introduit Laplanche à nos lecteurs. Oui. Alors, j'ai fait ça avec grand plaisir, évidemment. Okay. C'était mon hommage post-mortem à Laplanche. Mm-hmm. Et avec ça, ça crée une sorte de toile de fond. Oui. Si vous voulez, pour le reste des articles. Parfait. Les autres articles, ce n'est pas des articles que j'ai écrits en fonction de la planche. Parfait. Des articles qui m'ont été demandés, par exemple, The Three Essays. Uh-huh. C'est un numéro spécial du Psychoanalytic Quarterly okay. pour, je pense, est-ce que c'était le centenaire des Three Essays? En tout cas, c'était en se demandant... Est-ce que les trois essais sur la théorie sexuelle de Freud, est-ce qu'ils sont encore pertinents aujourd'hui? Parfait. Alors, moi, j'ai écrit quelque chose. Mm-hmm. Mais évidemment, dans chacun de mes articles, mm-hmm. Il ne manque jamais une référence à Laplanche parce que, mm-hmm. pas parce que je suis, comment dire, un Laplanchien mm-hmm. absolu, oui.
Je pense que tout comme Lacan disait « Soyez lacanien si vous voulez, moi je suis freudien ah, », oui. Je pense que Laplanche, d'une certaine façon, nous dit « Pensez par vous-même, oui. Ne soyez pas oui. Laplanchien, soyez critique, et ah, remettez-moi oui. au travail oui. aussi ». C'est ça. Hein, il a souvent dit ça. Oui, oui. Bon, dans la pratique, c'est pas toujours facile de le remettre au travail quand il était vivant, oui. parce que il résistait beaucoup. Uh-huh. Et surtout, faut surtout pas le rapprocher de Winnicott là. Ah oui, c'était une résistance. Là, oui, là, je peux vous raconter ah, oui. d'autres choses, mais disons que pour moi, penser lire Freud, uh-huh. c'est clair que la planche m'a énormément ouvert les yeux sur comment lire Freud. Oui. Je trouve d'ailleurs que c'est une de ses trois principales contributions oui. à la psychanalyse. Mm-hmm. C'est la méthode critique mm-hmm. de lire Freud mm-hmm. et, ou de lire tout texte psychanalytique, mais principalement Freud, oui. parce qu'il rend ainsi la psychanalyse, oblige la psychanalyse à s'auto-expliquer. Parfait. Ça oblige Freud à en dire plus. Mm-hmm. Et donc, quand on me demande de parler des trois essais, évidemment que je le fais dans un esprit laplanchien. Parfait. Je peux citer Laplanche, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mm-hmm. C'est comment Laplanche m'a aidé à être moi-même un lecteur de Freud oui. exigeant mm-hmm. et qui ne prend pas tout ce que dit Freud oui. au pied de la lettre, mais qui le fait travailler. Mm-hmm. Et c'est la même chose pour les autres articles. Oui. Celui sur l'enfant théoricien, qui est oui. un que j'aime beaucoup. Ah, parfait. Ça, c'était pour le congrès de l'IPA à Londres. Uh-huh. J'étais un des speakers, keynote speakers, comme on dit, uh-huh. donc des orateurs principaux. Oh, oui. Et c'était sur le féminin. Ah, parfait. Bon, alors, moi, je me suis demandé, de façon à la manière de Laplanche, uh-huh. comment ça se fait que Freud a pu se tromper si gravement uh-huh. sur le féminin. Quels seraient les faits sous-jacents, quelles seront les dynamiques, non mmh. pas de la personne Freud, oui. mais de l'œuvre freudienne. Parfait. Mmh. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était la confusion que Freud mmh. fait, à un mmh. moment donné, mmh. entre la théorie psychanalytique oui. et les théories infantiles que la psychanalyse découvre parfait. Dans la tête des gens. Oui, parfait. Et comment uh-huh. il a, avec Hans, Laplanche le mentionne souvent, uh-huh. que les théories sexuelles infantiles, uh-huh. c'est Hans qui les a créées. Oui. Hein, c'est le pas. Petit Hans. C'est de Freud, mais Freud les a piquées oui. à Hans. Mm. Mais sauf qu'il les transporte à la théorie psychanalytique. Telle qu'elle dans la théorie psychanalytique, oui. sans faire la différence. Oui. Et donc, je montre, j'espère que je montre bien, uh-huh. comment dans la pratique, oui. Freud a donc fini par faire du féminin oui. une théorie sexuelle, mais qui est une théorie sexuelle infantile. Parfait. Et que d'ailleurs, Karen Horney, oui. dans les années 20, uh-huh. avait très bien vu. Oui. Et parce qu'elle a, dans un article, elle a fait un tableau uh-huh. comparatif entre tous les préjugés qu'ont les petits mmh. garçons ou les mâles mmh. à propos des femmes oui. et tout ce qu'il y a dans la théorie que Freud énonce oui. et comment c'est superposable uh-huh. que Freud a une théorie sexuelle infantile. Oui. Alors, c'est génial. Moi, j'étais oui. ravi parce que uh-huh. en fouillant pour trouver des racines, oui. là, je trouve ça. C'était évidemment, Karen Horney en a profité pour se séparer de Freud complètement en disant, bon, mm-hmm. j'abandonne tout ça. Oui. Je pense que c'est une erreur. Freud s'est gouré, là, comme uh-huh. on dit, s'est trompé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter Freud pour oui. autant. On peut faire cette lecture méthodologique proposée par Laplanche. C'est une problématique. C'est une problématisation, voilà. C'est ça. Uh-huh. Voilà. Donc, la psychanalyse est encore quelque chose sur laquelle il faut travailler. La psychanalyse uh-huh. est toujours vivante. Et je trouve que c'est une des contributions majeur de Laplanche d'avoir permis de clarifier ce point-là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, sur la question de la théorie, il y a un autre aspect, mm-hmm. à mon avis, magnifique de Laplanche, c'est qu'il fait de la théorie mm-hmm. un des lieux de la pratique psychanalytique. Parfait. Hein? Parfait. Il ne oui. fait pas une opposition théorie-pratique. Oui. Il dit non, il y a une pratique théorique. Parfait. Mm-hmm. Ce qui nous ramène à la question des théories sexuelles infantiles, dans le sens des théories. Et les psychanalystes aussi. Mm-hmm. Tout le monde en fait. Oui. Mais c'est une chose de faire dénoncer une théorie comme ça, et c'est une autre chose d'avoir une pratique théorique, c'est-à-dire mm-hmm.
de prendre la théorie comme objet d'une étude critique et de départager donc entre l'aspect théorique spontané, qui va être très probablement toujours infiltré de théories sexuelles infantiles, et une théorisation rigoureuse qui donc fait vraiment de la théorie psychanalytique quelque chose qui doit pouvoir s'expliquer entre psychanalystes, mais aussi vis-à-vis d'autres disciplines, pour montrer ses fondements, les nouveaux fondements, évidemment, sont là pour ça. Donc, la planche nous ramène à Freud d'une façon qui nous aide à penser. Et donc, c'est pour ça que, moi, si on me demande est-ce que je porte un badge, la planche, oui et non. Mais surtout non, parce que c'est anti-laplanchien de faire ça. Et donc, est-ce que je suis un freudien? Bon, si on veut, mais je suis surtout quelqu'un qui est encore absolument intéressé par la pensée de Freud, grâce à l'outil que la planche m'a appris à utiliser dans la lecture de Freud et aussi dans la lecture de la planche. Parfait. On pourra en reparler tout à l'heure. Oui, faire travailler. C'est le travail. La notion de travail. Oui. La notion d'exigence. Oui. Quand on devait faire l'index des problématiques pour la planche, j'avais remarqué qu'il fallait absolument faire le mot exigence. Mais comme on ne l'a pas fait, j'ai été curieux de voir après si ceux qui l'ont fait en France. Et malheureusement, ça n'y est pas. Non. Alors que le mot exigence me semble être de bord en bord dans toute l'œuvre de la planche. Tellement pourtant. Oui. C'est ça que fait travailler l'ouvre. Oui. C'est l'exigence. C'est ça. Oui, c'est l'exigence. Ça. Où est le sexuel, par où il va. Et pourquoi est-ce que Freud s'est senti obligé de faire ce détour? Et comment il s'est rattrapé malgré lui? Parce que l'exigence était là. Il était là, exactement. Le fourvoiement, c'est à cause de l'exigence. Ah, c'est ça. Exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument essentiel chez la planche, cette rigueur et cette exigence, et la méthode, le fait qu'il a pris Freud à la lettre, c'est-à-dire quand Freud décrit la psychanalyse, il dit que c'est une méthode d'investigation, deuxièmement, une méthode de traitement, et seulement en troisième, il dit une théorie. Et la théorie, Freud disait, la théorie, ça se change. Mais il n'a jamais changé d'idée sur la méthode, par exemple. Oui, exactement. Hein? Premier topic, deuxième topic, peu importe. Oui. Mais la méthode. L'exigence. L'exigence de la méthode, ça, on ne négocie pas là-dessus. Oui. Parfait. Alors, la première, vous avez mentionné Winnicott. Oui. Et je sais que c'est en intérêt de vous aussi de faire dialoguer la planche Winnicott. Je veux savoir qu'est-ce que la planche en trouvait de ça, parce qu'il y a quelques références au travail de Winnicott. Oui. The First Not Me Possession. Oui, mais surtout négatif. Négatif, oui, c'est pas le First Not Me Possession. Oui, c'est le Not First Me Possession, so on. Alors, mais vous avez écrit en texte extrêmement bon. Il y a dans une collectonnée. Un volume collectif. Collectif, sur le sexuel et le sexe. Et Winnicott. Oui, le sexe Winnicott. Mm. C'était génial, ce texte de vous. Oui. Et la planche, elle n'a pas aimé du tout. Non. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Alors, voilà. Nous étions à Lanzarote, aux îles Canaries. Oui. Les journées étaient terminées. Et sans s'être consulté, il se trouvait que la planche et Nadine... Et ma femme et moi, on restait encore quelques jours pour profiter de la mer, de la plage et tout ça. Alors, on était sur la plage et on n'avait pas grand-chose à faire. Alors, j'ai dit à la planche, est-ce que vous accepteriez de lire un texte qu'on m'a demandé, où je propose des liens entre vous et Winnicott? Il dit, oui, pourquoi pas. Alors, je lui apporte le texte. Le lendemain, il me le redonne. Il dit, j'ai lu seulement les premières pages, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, votre titre, il n'est pas laplanchien, il est winnicottien. Parce que j'ai dit, la planche et Winnicott meet and survive. Je parle de survive. Oui, exactement. Ouais. Alors bon, j'étais déçu évidemment, mais OK. Alors pour moi, il l'avait pas lu. Il ne voulait pas. Non. Alors les vacances finissent. Oui. On est au mois de septembre maintenant. Je reçois un coup de téléphone de la planche. Oui. Dominique, est-ce que vous accepteriez de
de me traduire en français le texte que vous m'avez montré. Ben, je dis, bien sûr. Alors, je vais le faire. Alors, je me suis dépêché, j'ai travaillé rapidement. Une traduction pour usage personnel de la planche. Ça va. Je vais le faire rapidement et tout ça. Et donc, il y a dans la traduction française, il y avait quelques flottements. Et je n'en ai plus entendu parler. Oui. Un an plus tard, je rencontre deux collègues parisiens qui me disent, comme ça, tu as rompu avec la planche. Pardon? Il dit, oui, mais tu sais pas, la planche, il a lu ton texte dans son séminaire à Paris, et il l'a mitraillé, il l'a descendu en flammes. Et alors là, j'étais vraiment, vraiment déçu, mais un peu fâché. Oui. Parce que, comment, la planche fait ça, il ne me dit rien. Oui. Il m'a fait travailler pour traduire mon texte, et il s'en sert sans rien me dire. Parce que s'il m'avait dit... Je veux faire la critique de ton texte. J'aurais pris l'avion, je serais allé à Paris et j'aurais discuté dans son séminaire. Mais je n'avais jamais entendu parler. C'est pour ça que je disais que faire travailler la planche, le slogan est bon, mais... dans la pratique. Dans la pratique. Alors, la planche m'a envoyé quelques critiques qu'il a faites. Sur certains points, il a raison, il y avait des flottements. Beaucoup étaient dus à la traduction trop rapide. Oui. La version anglaise ne donne pas le même sens qu'en français. Parfait. Mais il y avait des points qui peuvent se discuter, en effet, et où j'ai peut-être poussé un peu trop la planche du côté de Winnicott. Mais lui, il a surtout fait une critique acerbe de Winnicott comme un philosophe de salon, quelqu'un qui n'est pas rigoureux conceptuellement. Oui. Et là, moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que Winnicott a un langage qui donne l'impression d'être une conversation comme ça, colloquiale, mais qu'en fait, il y a beaucoup de rigueur en dessous. Oui, oui. Il y a beaucoup de rigueur. Et notamment sur... bon, par exemple, la question du « not me », « first not me possession okay. ». Bon, la planche, il dit, mais non, c'est la « first me possession ». Oui. Oui, mais moi, j'aurais dit la planche, mais la planche... Pour qu'il y ait un « not me », il faut qu'il y ait un « me », ou pour qu'il y ait un « me », il faut que ça commence par la négation. Oui. Donc, où est le problème? Là, on est en train vraiment de se chicaner sur les mots. Oui. Je pense que l'important, et ça, je le faisais ressortir dans mon texte, c'est que je peux textuellement citer Winnicott, qui dit « au début, il n'y a pas de « je ». Oui. There is no « I ». Et puis un « I » apparaît à un moment donné dans une position... qui va beaucoup dans le sens de Lacan aussi, une position un peu paranoïde. Oui. Hein? Les objets persécuteurs, quand il y a intégration, et les objets persécuteurs qui sont les objets non intégrés, qui, à mon avis, sont les objets sources de la planche. Parfait. Hein? Oui. Etc. Bon, alors, j'aurais discuté et je ne suis pas, comment dire, certain que tout ce que j'ai dit dans ce texte-là est parfaitement... représentative de la planche. Oui. Ou de Winnicott, d'ailleurs. Parfait. Oui. Mais c'était une discussion proposée. Des pistes de recherche pour dire, voilà, deux auteurs qui ont deux systèmes de pensée apparemment très éloignés les uns des autres, mais moi, je ne peux me passer ni de l'un ni de l'autre. Alors, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui établisse des ponts entre les deux? J'ai cherché des ponts. Je pense que c'est une méthode valable. Oui. La planche lui-même, au début de ses cours à la Sorbonne, dans les préfaces aux problématiques, il propose à ses étudiants quel genre de recherche vous pourriez faire. Et il disait, ne serait-ce que de trouver un point de passage entre deux auteurs. Parfait. C'est ce que j'ai essayé de faire. Oui. Parce que la matrix de la pensée des deux, c'est la même. C'est toujours la présence réelle de la mère, la présence réelle de l'adulte, de faire les choses, à travailler, tout ça. Alors, un autre auteur aussi très important, qui apparaît peu souvent à l'ouvre de la planche, que c'est Ferenczi. Ça m'étonne aussi, la présence aussi ponctuelle de Ferenczi à l'ouvre de la planche, parce que pour moi, le Ferenczi, c'est justement la matrix majeure de la pensée de Winnicott de la planche. Mais c'est justement pour citer la confusion des langues. Mais il le mentionne, il le mentionne à quelques endroits. Il reconnaît,
Il reconnaît qu'il a bâti à partir de la confusion des langues, mais il n'en fait pas grand-chose. Pas grand-chose, juste ponctuel. Oui, non? Oui. Et la dernière question, c'est une question personnelle. Les textes que je veux présenter, c'est un texte sur l'inconscient encravé ou enclavé. Cette idée de la troisième topique apparaît en la planche à la finale de son ouvre, à la fin de son ouvre, et que je ne me plais pas, cette idée. Cette idée me paraît très anti-laplanchienne, parce qu'il y a une problématique, la problématique sur le id et l'inconscient, la problématique 4, mm-hmm. si je ne me trompe pas, mm-hmm. dans laquelle il présente la thèse, très simple et très élégant, comme toujours en la planche. Mm-hmm. Pourquoi Freud avait le besoin de le ça de Grodeck? Mm-hmm. Mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi il utilise le ça? Mm-hmm. Il avait déjà l'inconscient. Pourquoi mm-hmm. il prend mm-hmm. un concept si étrange, mm-hmm. si bizarre mm-hmm. comme le ça de Grodeck? Alors il répond, c'est parce que l'inconscient parlait beaucoup. L'inconscient ne peut pas parler comme ça. L'inconscient, ce n'est pas le symboliste. C'est mm-hmm. cet inconscient symbolique qui parle toujours. Mm-hmm. Alors quand l'inconscient parle, les associations, c'était. Mm-hmm. C'était la thèse de Laplanche, la thèse mm-hmm. géniale de Laplanche, très simple, mm-hmm. très, très élégant. Et alors, je pense qu'en appliquant cette thèse, pourquoi Laplanche a besoin d'une troisième topique? S'il a fait la problématique 4, mm-hmm. il a bien montré mm-hmm. que l'inconscient, c'est mm-hmm. l'objet source, c'est mm-hmm. le réalisme de messages. Mm-hmm. Nous n'avons pas la nécessité de l'inconscient enclavé mm-hmm. ou la solution de deux jours qu'il critique aussi l'inconscient aminciel. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Mm-hmm. Quelle est votre idée sur ça? Je dois d'abord préciser que ça, je n'ai pas eu l'occasion de le discuter avec Laplanche lui-même. Oui. On ne s'est pas vu dans les années où il a... C'est des dernières années où il a publié ça. Oui. Je connaissais le concept d'inconscient amantial de jour dans son livre qui remonte à 2008 ou 2012. Oui. Ou peut-être... Non, même avant. Le corps d'abord. Dans le corps d'abord, c'est oui. ça. Pour moi, l'inconscient amantial dont on parle du jour, oui. ça peut, à la limite, se discuter en tant qu'amantial, justement, oui. parce qu'il n'emploie pas ce terme-là pour rien. Amantial, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la mens. Oui. Hein? Et il partait beaucoup des problématiques de l'école psychosomatique de Paris. Oui, hein, de Marty. Pour discuter. Voilà. Où la mentalisation fait défaut, etc. Oui. Bon, Laplanche n'a jamais été tout à fait à l'aise avec l'école psychosomatique de Paris. Oui. Il dit le défaut de mentalisation. Je me souviens un jour, il a dit « Je demanderai à voir, je demande à voir oui. ». Alors, il ne se prononçait pas, mais il disait « J'attends des preuves » ou des choses comme ça. Oui. Mais introduire ce modèle-là dans la pensée de Laplanche, il y a effectivement un problème. Oui. Que je vois moi aussi. Est-ce que c'est anti-laplanchien? Peut-être, oui. mais sans aller aussi loin, je dirais, ce n'est pas nécessaire. Oui. oui. Parce que quand Laplanche parle du modèle traductif, mm-hmm. et quand le refoulé est ce qui a échappé à la traduction, oui. et il dit le refoulé est en forme de ça, exactement. Donc, on revient à la question du « ça oui. » par l'entremise. Ben, ces choses non représentées, non pensées, etc., oui. ben, elles sont là. Exactement. On n'a pas besoin qu'il y ait... Bon, une idée qui peut-être mm-hmm. permet de faire usage, c'est que dans le diagramme de Laplanche, qu'il a repris de deux jours, hein, c'est mm-hmm. le diagramme de deux jours, ce qui traverse la barrière du déni oui. se dépose, si on veut être très rigoureux avec mm-hmm. Laplanche, on ne devrait pas penser à un lieu, oh. mais il s'enregistre d'une quelconque façon. Oui. Et là, il y a une tentative de traduction, oui. et ce qui n'est pas traduit devient l'objet source. Et là, le seul problème que je vois, c'est qu'ils ont besoin de faire deux cases pour ça. Oui. Une pour l'inconscient mental et l'autre pour... Les objets sources, oui. moi je dirais, on peut les mettre dans la même boîte. Oui, exactement. Surtout qu'il n'y a pas de boîte. Oui, surtout exactement. Surtout que c'est des fonctions, oui. des fonctions traductives qui échouent ou qui réussissent. Exactement. Et que donc ce qui échoue ou ce qui ne s'est pas rendu jusqu'à la traduction, mm-hmm. pour moi c'est du pareil au même. Dans le sens que j'en ai le même rapport de non-accessibilité. Oui, exactement. Hein? Puisque, et ça c'est Freud lui-même,
qu'il dit dans son texte sur l'inconscient. Oui. On peut gloser tout ce qu'on veut sur l'inconscient. Exactement. Mais en fait, tout ce qu'on en connaît, c'est le préconscient. Le préconscient, exactement. On ne connaît jamais l'inconscient lui-même. Oui. Donc, que l'inconscient soit amantial ou enclavé ou refoulé, je ne vois pas ce que ça change, ni dans la pratique, ni dans le concept. Parfait. Et je trouve que ça a le défaut, comme un des défauts que je trouve, c'est que ça nous oblige à penser graphiquement, géographiquement, parfait, alors que la planche, il me semble, nous a appris à ne pas penser l'inconscient comme en termes géographiques, topiques, comme Freud l'a fait, même si Freud lui-même disait « Attention, c'est une fiction théorique, ça n'existe pas. » Mais là, ça nous ramène du côté graphique, ça nous ramène du côté topographique. Et on n'a pas besoin, je pense que l'intraduit, le non-traduit, problème épistémologique aussi, s'il y a quelque chose qui est un inconscient amantial, qui ne se manifeste pas avant d'être soumis à la traduction et qui n'a aucun effet notable, comment on sait qu'il existe? Oui, oui, exactement. Alors, ça, c'est une autre question que j'aimerais poser. Oui. Bon, quels sont ces effets cliniques dans la clinique? Oui, mais étant donné la définition qu'on en fait, mais comment on sait qu'ils existent? Oui, oui. Comment on peut les poser? Pourquoi? Quelle est la nécessité de ça? Alors, je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de comprendre, comme vous disiez, pourquoi la planche a besoin de ça. Oui. Je ne sais pas. C'est un travail qui resterait à faire, une discussion qui resterait à avoir. Je pense que ce serait passionnant de pouvoir en discuter avec deux jours, parce que comme ça a été emprunté de lui, probablement que sa position à lui serait très intéressante à connaître, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui non plus. J'aimerais bien qu'un jour on puisse débattre de ça, parce que c'est effectivement une énigme pour moi, et que je ne vois pas ce que ça ajoute, qui n'est pas déjà compris dans ce qui reste dans le résidu du processus de traduction-refoulement. Exactement. Voilà. Je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dans le texte « Entromission, implantation », la planche nous présente un type de continuum, l'idée d'un continuum, que c'est le message qui sont plus traduits avec l'aide de l'adulte. Nous sommes au champ de l'implantation, et les messages qui ne sont pas traduits et bien, qui sont interdits de traduction. Interdits de traduction. C'est le plus important. C'est le déni, c'est le verleugnung. Et le désaveu de Ferenczi. Oui, exactement. c'est là que je veux arriver. c'est le désaveu qui reste, qui fait marcher le traumatique. Oui. Alors, le message attaché à des messages de désaveu. Contre-traduction. Alors, si on pense à cette logique de la continuité anti-structuraliste, la pensée de la planche est anti-structuraliste. Je suis d'accord. Et il présente une structure. Des structures. Alors, c'est une idée anti-laplanchienne. Dans ce sens-là, oui, d'accord. Oui, vous savez. Je serais d'accord. Ah, oui. Alors, je pense. je suis très content pour ça. Ben, je suis très content de trouver en vous un écho, parce que c'est ce que je pense depuis plusieurs années. Je vous disais, j'en ai discuté avec Carlos Calich. On n'a pas pu en discuter longtemps et on est resté sur nos questions, mais je serais très curieux de savoir ce que les collègues qui adhèrent à ce point de vue-là, comment ils défendent ça, parce que pour moi, effectivement, ça nous ramène le côté structuraliste qui n'a pas besoin d'être, parce que le modèle traductif de la planche est tellement beaucoup plus fluide, c'est dans la fonctionnalité, c'est pas dans la structure, c'est dans le processus, et on a tout ce qu'il faut avec le processus. Exactement. Parfait. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais c'est un beau problème. C'est un beau problème. J'essaie. Alors, c'est ça, la conversation. Okay. Je vous te remercie. Tellement. C'est moi. Je suis très, très, très flatté que vous m'ayez posé ces questions. Merci. Je suis content de la discussion qu'on a et content de voir aussi qu'on est d'accord. Oui, je suis tellement content. Vous n'imaginez pas ma joie pour ça. Merci. Okay. Merci.